GS1, nous rassemblons l'ensemble des acteurs d'une filière, et en l'occurrence le transport et la logistique, pour adresser leurs enjeux et trouver une solution collective à leurs problématiques. Sur la logistique collaborative, nous avons été confrontés avec l'écosystème à une problématique d'optimisation de livraison sur les entrepôts logistiques et notamment la prise de rendez-vous sur ces mêmes entrepôts, ce qui fait que l'ensemble des acteurs s'est mis autour de la table pour imaginer une solution, un connecteur qui permettrait d'optimiser cette prise de rendez-vous. Nous avons pu nous appuyer sur l'expertise de talents dans le monde de la supply chain et du transport en particulier, et sur les équipes de développement de talents pour mettre au point un démonstrateur que l'on présente ici à VivaTech et le connecteur lui-même que l'on va mettre en pilote à partir de septembre 2018. Les différentes étapes de la création du produit, donc on l'a fait en trois parties. La première partie, ça a été une étape de design thinking où on a écouté le client sur ses besoins. On a essayé de construire une maquette répondant aux besoins du client. On a fait valider ça par l'ensemble des participants. Ensuite, on a passé une phase de développement où on a implémenté la solution. Et la dernière partie, c'était la présentation et l'utilisation aux utilisateurs. Le projet a été fait avec une toute petite équipe. En 4 semaines, on avait délivré le MVP, donc Minimum Viable Product. Et les 2 semaines qui restaient sur le timing initial nous a permis d'implémenter des fonctionnalités en plus de ce qu'on avait prévu au départ. On est super fiers de ce qu'on a réalisé. Et en plus, on a pu utiliser des technos hyper innovantes. Et donc voilà, c'était un projet de rêve, quoi. And we'll do it together.